Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Vous savez que tout le monde va très très bien. J'espère que vous aussi, ça va. Nouvelle désillusion pour le Paris Saint-Germain qui vient une nouvelle fois de faire un match nul. Cette fois-ci, avec Mbappé dans l'équipe, Dembélé dans l'équipe. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour remporter des matchs? Il nous faut qui? Freezer? Cell? Sangoku? Il nous faut faire venir des joueurs extraterrestres, des joueurs qui viennent d'une autre galaxie. C'est ça qu'il nous faut? Ah là là, le Paris Saint-Germain qui a eu le ballon pendant 80% du jeu et n'a pas réussi à marquer un but avant que Mbappé vienne faire le travail. Qu'est-ce qu'il nous a mis comme but? Un penalty. Et oui, il est venu mettre un penalty parce que il ne reçoit pas de ballon dans lequel il peut être dangereux. C'est vrai. Le Paris Saint-Germain garde le ballon. Dès qu'on perd le ballon, on le récupère assez vite. Mais dans l'action, il n'y a pas de finition. Bah alors, Gonçalo Ramos, hein? Toi qu'on te voit tout nu sur les réseaux sociaux, tu viens au Paris Saint-Germain, deux matchs, et tu n'as toujours pas marqué? Ça sert à quoi de faire comme ça, là? Tu veux tirer sur qui? Ah là 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 là, c'est pas grave. Comme vous le voyez. Moi, ça va, et puis je suis pas trop fâché pour le Paris Saint-Germain, parce que là, ce qu'on est en train de créer, c'est plutôt pas mal. Il y a encore d'autres recrues qui devraient venir, et là, si les recrues viennent et qu'on continue à faire des matchs comme cela, je ne sais pas ce qu'on va avoir comme excuse. On va avoir aucune excuse. Donc là, on est officiellement à 2 points, alors qu'il y a deux matchs. Normalement, d'habitude, le Paris Saint-Germain, quand il commence la saison, c'est les 5, 6, 7, 0. Mais là, franchement, ça ne me fâche pas trop qu'ils aient fait un match nul face à Toulouse. Ça veut dire que là, on commence doucement. Mais quand la machine va commencer à se mettre en marche, et puis on voit que l'entraîneur, il n'est pas là pour plaisanter, n'est pas là pour rigoler. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Tu fais le malin sur le terrain, tu sors. Il est où Asensio? Ha! Il est dans l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il croyait, lui? On lui fait jouer deux matchs. Il fait toute la préparation. Il nous fait des passes, des frappes de malade. Et puis quand il arrive face à Lorient, il perd je ne sais combien de ballons. Voilà. Maintenant, il est où? Sur le bagneau. Donc là, on attend un retour assez prompt de Marco Verratti, parce qu'on ne va pas se mentir, il manque beaucoup à cette équipe, hein. Voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ouais, il fume des cigarettes, il fait n'importe quoi. Mais lorsqu'il est sur le terrain, il arrive à trouver des passes. Absolument génial! Donc oui, moquez-vous du Paris Saint-Germain. Oui, Lionel Messi va jouer une finale. Oui, Cristiano Ronaldo n'arrête pas de perdre. Oui, dites ce que vous voulez. Mais nous, là, nous jouons la Ligue des Champions. On est en train de préparer une équipe pour remporter la Ligue des Champions. Tu entends ce que je te dis? Je dis pas qu'on va la remporter cette année. Hein? Je touche du bois. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Mais là, sachez, mesdames et messieurs, que je suis très très optimiste pour cette équipe. Très optimiste. Oui, il y a des belles choses qu'on arrive à voir. Eh oui, ouais, match nul, ouais, normalement, c'est 8-0, vous avez je sais pas combien d'argent. Oui, ça c'est les phrases des jaloux, des haineux. Hein? Voilà, donc le Paris Saint-Germain, à nouveau un match nul. J'avais annoncé 1-4. 5, 6, 7, 0 face à Toulouse, mais apparemment Toulouse a changé son nom en vraiment Toulouse français. Là, c'était pas Toulouse en anglais. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont pas venus pour perdre. Ils nous ont pas réceptionnés pour nous regarder jouer. Ils nous ont dit, d'accord, vous voulez faire les malins comme quoi vous avez tout le temps le ballon? On va vous presser dès que le ballon il arrive sur le côté. Et là, on a vu qu'il n'y avait pas trop de solutions. Mais Dembélé, très bon match. Oui. Très très bon match, très bonne entrée. Ah, mais tu leur as donné le tournis. Mais il faut marquer des buts, hein, parce que ta frappe ratée là, ça là, tu t'es cru où là, au quartier en train de faire je ne sais quoi, hein? Là là, quand t'es rentré sur ton pied gauche là, hein? T'es rentré, t'as fait un crochet. Fallait enrouler ça tranquillement. Prends ton temps. Je sais que c'est ton premier match. Tu t'es un petit peu précipité, mais la prochaine sera la bonne. La semaine prochaine là, l'équipe qu'on va affronter, vous allez souffrir d'une telle manière, hein, que ça fait deux matchs que là, on n'arrive pas à remporter les matchs. Donc c'est le troisième qui sera la bonne. Voilà, force.